Sur le chapitre 9 de Resident Evil 4 Remake, on va le démarrer, on vient de retrouver Ashley maintenant. On va voir un peu ce qui nous attend. Je crois que ça une deuxième fois. On est à la moitié du jeu, mes amis. Louis, t'es où? Désolé, j'ai merdé. Viens me sauver, prince charmant. Tu sais ce qu'il te dit, le prince charmant? C'est bon, je suis dans la salle de bal après la cour. Sois pas en retard pour la danse. Deux grenades. C'est quoi ce mec? Il a des ennuis, il va pas le laisser tomber. Alors je revérifie qu'on n'a rien oublié. Non, c'est bon. On va sauvegarder là aussi. Là c'est le début d'un moment qui va être très chiant. Ok, alors qu'est-ce qu'on a de beau? On va explorer un peu parce que ce passage, j'en garde pas un bon souvenir. Hein. Dans l'original, c'était cauchemardesque en normal et en plus, bah, là, je le sais imaginer encore. Ça faisait flipper. Oh non. 3 balles, ok. Oh, j'entends un bruit que je connais. C'est quoi ça? C'est près de premier secours. T'es où? Ah, t'es là. Le 9e châtelain mécanique. Arrête de faire ton asthmatique, s'il te plaît, c'est chiant. Voilà, hop. Alors, c'est quoi de ça là-haut? Ok. Regarde, le drapeau est déployé. Donc ça veut donc dire... Il faut que je retourne dans ce sens-là. Attends, j'essaie d'observer. Donc, on est là. Donc, il faut que je retourne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'aurais dû descendre. Comme ça, il y aura le deuxième de déployer. Ok, je crois que j'ai compris. Alors, que je fasse pas de bêtises. Je suis dans le bon sens. C'est parti. Là, je suis allé comme ça. Logiquement. Non. C'est pas bon là.
là non. Il y a une caisse là. La petite ferraille, je prends toujours. Ah, des cartouches de bombe, ça fait un petit moment déjà. Waouh. J'avais pas pris la caisse, bien sûr. Donc c'est pas par là. Donc là, il n'y a rien. Ok, ça, ça pue. Ah, oh, ok, d'accord. Vous êtes combien? Oh. Waouh, ok, il y a un autre problème de taille. Oh, bah oui, le... Ouais bah c'est pas que c'était chaud, mais c'était chaud. Là y'a rien. Je suppose qu'il y a encore une cage ou deux en plus. Trois balles, hein, on se standard pour un chien. Là, il n'y a rien. Je peux aller comme ça. Ah, il y a un trésor en plus, ça tombe bien. Oh, un bel échiquier. Ok, la deuxième tour, elle est ici. Il n'y a pas une caisse qui traîne au cas où. Non. Le deuxième gonfalon. Il me semble qu'il y avait des... j'avais vu des caisses à un moment. Ouais, j'avais vu une caisse. Ah, de la petite ferraille encore, je prends. Munition de pistolet, comme ça, on est large. Ok, le dernier se réactive. J'ai compris, il se réactive quand tu actives les deux premiers, logique. C'était ça la subtilité. Quelques cartouches de pompe en plus, ça c'est toujours utile. Waouh.
Ah bah une balle, on l'a eu. Parfait. Peut-être qu'il faudra que je fasse gaffe aussi à mon gilet pare-balles. Ok, monsieur veut jouer les gros bras. Il y en a toujours un dans mon dos, j'ai horreur de ça. Là, y a rien. Il y a une caisse. Hein. Moi, j'essaie de me faire le maximum de trucs. Un peu d'argent en plus, ça se prend. Ça s'arrête jamais. C'est bien. Là, je peux pas remonter, donc il va falloir que je revienne en arrière. J'espère qu'il spawn pas à l'infini, hein, les toutous, parce que bon. Est-ce que c'est mieux par là ou pas? Ouais, c'est par là. Alors, lui, on l'a abaissé, lui, on l'a abaissé. Oh! En plus, il casse un truc, ce con. Bah, bravo. Donc là, c'est non. Attends. Il y a un accès, mais par où? Il faut que je sorte du labyrinthe, si je comprends le truc. Il y a une caisse encore. Ok. En fait, là, ce qui me dérange. Il y a un passage dans le jeu. On va trouver, hein. Il y a une explication, il y a forcément un passage. C'est pas par là déjà. On fait un peu de mine dans par ici.
Donc c'est pas ici non plus. Et je peux pas aller par là, apparemment. Bingo. Donc c'est... Est-ce que c'est la grille d'où j'étais au début qui s'est réouverte? Il y a une grille qui s'est ouverte, mais j'ai pas entendu. Attends. Là, c'est bon, là, c'est bon. Putain, ces énigmes-là, je m'en... franchement, ils l'ont bien complexifié. Hein. Écoute, on va rouvrir de la vie, on va retourner là-bas. Là, je suis en train de m'emmêler les pinceaux ce soir, c'est où? Non. Non plus. Non plus, donc c'est... Pas de ce côté-là. Là, il n'y a rien au cas où, hein, je regarde dans le truc. Charge-toi de ça. Ça marche. Sois prudent. Et en fait, c'était tout con. Ok, je comprends mieux. Et logiquement, le dernier va s'ouvrir. Enfin pouvoir sortir de ce labyrinthe. Ah. Évidemment. Ah, je... Ok. Attends. Ah bah oui, je suis con.
Et je peux sauter là. Ça va? Ouais, je savais que tu viendrais. Waouh, oui. Sans bannir Mars aussi peut-être. La fameuse salle, ok. La petite ferraille en prime. C'est beaucoup, c'est un petit peu mieux. La salle de bal doit pas être loin. Bon, il faudra que je retourne sur ces foutus remparts, tiens. J'ai de nouveaux articles étrangers. Astuce, bonne nouvelle, amie, je viens de mettre sur des outils de haute qualité. Grâce à eux, je pourrais procéder à des émotions sans préfère chuter encore plus fort. Bien sûr, ce n'est pas gratuit. Si jamais ça t'intéresse, ça me trouve. Tu m'en diras des armes exclusives. Destruction des médaillons, il y en a 4, ok. Ici, il faudra que je revienne pour ce foutu cube. Salut, étranger. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Merci. Eh bien, je vais certainement pouvoir faire quelque chose de ça. Je me tâte à revendre le lance-carreau quand même. Oh, je savais que tu choisirais ça. Alors, est-ce que je peux... Je sais quelle arme j'ai optimisée. C'est la Red 9 tout de suite. Ne va pas de bienvenue. J'ai mis la main sur quelqu'un. Merci. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Je te souhaite bonne chance. Oh. Ok, c'est pas encore terminé, je pensais. Tiens, vois ce que ça donne. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. Donc là, il va nous falloir encore un petit peu pour arriver au niveau stade supérieur. Reviens quand tu veux, surtout. Alors, on va laisser un petit peu de stand de tir et après on va continuer, hein. Alors, vie restaurée par les petits vipères. Et là, 3. Oh non, non, ça doit me faire quelque chose de bien quand même. Ah. Oh. L'ourson. On y retournera après alors. J'ai recommencé ça. J'ai une revanche là.
Quand elle tourne, faut viser la base. Ah zut, raté. Oh non. Merde. On a combien? On va tenter. Tu as du mal à toucher une cible. Pense à te décaler, l'ami. Changer d'angle de tir. 3, 2, 1, allez! On va faire péter le score! Que? Au centre, lui, je le vois. C'était énorme. Ah, toi, vite. Voilà, 3700, ça va. Ah, raté. Wow, wow, wow. Ah, zut, j'aurais dû tirer au pistolet. Il m'en manque. Bien joué, Léon. On va réessayer, hein. Donc là, il me faudrait 8000, hein. Oh, salopard, ils ont caché un jeton au début. Voilà, c'est ça. Oh, dommage, j'ai pas eu de jeton. Voilà. Ah, sérieusement, pas le tonneau, hein. Ah, zut. Magnifique. 5900. 6043, ok, il nous restait du temps. On va... Non, merde. Sérieux ? Ok, 3008. C'était à combien là? 6161. Utilise une mitraillette si tu veux. 3, 2, 1, allez! Vas-y, Léon! Remarquable!
B. Voilà, merci. Et maintenant, fusil lunette. On est à 4000. Mais je vise sa tête. Merde, faut que je passe pistolet. Ok, il est vraiment chaud le 1C. Hein. Je vais réessayer encore, hein, mais bon. Peut-être que je les ferai en off les. 3, 2, 1, allez. Là, on est bon. Voilà. Alors là, on va changer tout de suite. Mais je mets sa tête à l'autre. Oh. Oh, bah oui. Bah oui, j'ai sa tête, mais non. MDR. Bon, c'est 1100. On y arrive, hein, petit à petit. Raté, touché. Voilà, c'est ça. Attends, je vais tenter le fusil à lunettes. Superbe tir. Tout double. Recharge. On est bon au début, hein. En fait, c'est là que je merde à chaque fois, je sais pas pourquoi. Touché. Oh, il me rajoute des trucs. Mais. Bon. En fait, c'est sur la deuxième, la première partie, j'arrive à la gérer, mais la deuxième, non. Bon, tant pis. Je vais tenter la 2A. Est-ce que j'ai réussi à faire celui-là? Non, il m'en. Tu as du mal à toucher une cible. 3, 2, 1, allez! On va faire péter le score! Ah, il est en dessous l'autre, d'accord. Ok. Exceptionnel.
Il faut combien pour le rang S ici? Essayez. Merde. Ok. On approche, hein. La carabine te permet d'éliminer plusieurs cibles d'un seul coup. En revanche, la cadence de tir. 3, 2, 1, allez! Vas-y, Théo! Voilà! C'était énorme! Ah, zut! Il est chaud, hein. Exceptionnel. Un artiste, l'ami. Oh, on s'arrête là. 6100. Ok. T'as réussi ? Putain, il te demande de ces trucs, hein. Wow. Merde. Oh. On a combien? Eh, hey, on grappille, hein. On va essayer de pas se décourager. Ok, on les a tout tués pour l'instant. Ok, on grappille. On va essayer une dernière fois sinon, et après on se casse, on continuera l'aventure. Ok, pour l'instant on a tout eu. Pas tous. Il y a un truc. Continue comme ça.
3300, on les a. Ah. Olé. Vite. Je crois que je l'ai lent, est-ce là. Parfait. Ceci. Voilà, c'est ça. Comme ça, je recharge. Ça convient. Je suis à 7. Ok. Si tu comptes trop sur la même arme. En fait, faut le tenir, faut que je le tape au pistolet, j'ai compris. Allez. On va faire péter le score. 500. 700. Dommage. 900. Ah, dommage. Dommage, j'ai raté mon coup là. Yo. 3500 au lieu de 4000. Hein. Joli. En fait, c'est chaud de tirer sur le dernier. Je dois reconnaître que nous t'avons peut-être un peu sous-estimé. 3, 2, 1, allez! Allez, montre-leur! Voilà. Ah, zut! Ça va. Donc là, c'est le fusil à lunettes. Bien joué. Ah. Raté, non. Ok. Il manque plus grand chose. Hein. 3, 2, 1, allez! Vas-y, Léo! Oh, magnifique! C'était énorme! Ok, on est tout bon, 4000. Maintenant, je prends ça.
Bien. Ah zut. Mais j'ai visé le bas. Non, c'est sévère là. Bon. Allez. On est à la moitié. Donc là, c'est... Ok. Oh. Bah, là, tu peux le dire, putain. En vrai, je pense que si on loupe un des trucs, c'est rien à la limite. Si on loupe un des trucs, c'est rien, mais il y a des cas, les jetons. Au début, on peut, ils sont prenables. 2. 3. Joli. Et là en dessous. Parfait. Ça c'est fait, 4000 c'est bon. Plus à lunettes pour le petit triplé. Alors si on fait pas de conneries. Parfait. Ok. Yes. Allez. Allez. Bon. Normalement, je dois te rendre ceci là. Ouais, parfait. Alors après, c'est le fusil entier, me toquer. Bon, on va arrêter là pour le truc. Bon, je suis content, j'ai eu les deux rangs S qui me manquaient. Est-ce que j'ai des jetons? Qui pourrait bien te plaire. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami. Alors ça, je vais remonter. Eh bien, je vais certainement pouvoir faire quelque chose de ça. Sans les fonds nécessaires, je crains que nous ne puissions faire un... Elle va pas te faire tuer. Et hein. Attends. Ça, on va le mettre à droite. Ça va nous permettre d'utiliser moins de poudre. Et ce qui est très balèze. Hein. Attends, c'est pas où ça que ça mène.
Donc non, là ça va pas. Une alexandrite, c'est toujours ça de prix. Ah ouais, il y a les médaillons, c'est vrai. Regarde, il y a une statue là-haut. Ok, il y a des médaillons à dégommer, on va tout de suite les dégommer. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors attends, c'est un piège ça. On va attendre avant d'y aller, je crois. Yo, la petite ferraille. Bah maintenant. Punaise, tu vas voir la différence là avec la poudre en moins. Il est là-dessous, c'est ça? Ok, il va falloir des trucs. Il y a un relief sur le mur. Mais c'est la chimère. A été terrassé par Belleforon. Enfin, Bellerophon. Ok, de deux, il n'y en a plus là. Ah si, il y en a encore. Okay. Troisième. Une requête, c'est pour les médaillons, je suis sûr. Rat de bibliothèque, des rats ont infesté du château et rongent des livres Anestima, mais ces hérétiques s'en fichent que quelqu'un ne débarrasse cette vermine avant qu'il ne soit trop tard. Ok. Premier rat dégommé. Statue de serpent. Ah, une salle à manger. Manger ici? Non, merci. Il y a une énigme ici. Dans ce genre-là. Ouais, on peut dire ça. Sauf que je suis pas toujours aussi bien accompagné. C'est un compliment. Ah, prends-le comme tu veux. Il y en a un là, enfoiré, je te vois. Ok. Alors, lui, il a... une cuillère, deux fourchettes et trois couteaux. Et elle, c'est deux... C'est eux qu'il faut... En fait, il faut se mettre aux places des deux personnages. Alors, deux couteaux, une cuillère, une fourchette. Ashley. Attends. Ok. Et le deuxième, c'est une cuillère, deux fourchettes, trois couteaux. Une cuillère, deux fourchettes, trois couteaux.
il se passe rien. Non, c'est pas la bonne. On va tout faire, hein. Attends, faut bien regarder. Il y a un truc sur le portrait, c'est ça? Donc là, il y a un verre et il n'y a rien dans l'assiette. Ok. Assieds-toi. Okay. Ok. Moi, c'est bon. Donc elle, c'est bon. Et le deuxième portrait, il y a un pain et un truc de vin. Bingo. Léon. Je crois qu'on a trouvé. Éloigne-toi. Viens. D'accord. Ok, c'est quoi? Tête de serpent. Ça, c'est fait. Ouais, comme dans du beurre. Ok. Donc logiquement, là où j'étais parti avec le marchand, j'étais pas là. Quelque chose. Ah, ça, ça nous ramène à la salle de l'audience. C'est tout au début. Mais on doit pas y aller à cette salle d'audience-ci. Attends, on va tester parce que je vois pas où est-ce qu'on peut aller ailleurs ici. Là, c'est pas possible. Là, il n'y a rien. Il y a une échelle que j'ai oubliée, ceci dit. Ah, n'oublie pas qu'arme à feu rime avec jeu, étranger. Je crois que je vais juste m'arrêter au chapitre 9 ce soir. Je pensais arriver au chapitre 10, mais là, ça va être chaud. Ça va être difficile, je crois. Pour moi, ça, je le sens. Il y a une porte, tu me diras. Ok. Là, on peut accéder, ok. Et là aussi. Ok. Hey, Léon, tu veux pas une armure en guise de gilet pare-balles? C'est un peu trop vintage, je trouve. Dommage. Je suis sûre que ça t'irait bien. Ah bah écoute, oh la petite clé justement, on sait. Je sais où elle pourrait servir. À moins qu'elle va servir avant. Oh non. Je me rappelle de ce passage. Écoute, on a refait un stock de d'armes. Le pompe. Alors, attends. Il y a un médaillon ici. C'est l'avant-dernier. Ashley, reste là-haut. D'accord, sois prudent. Alors, attends, déjà, on va être malin. La grande ferraille. Encore de la grande ferraille. Balle de magnum, je dis pas non là.
Non, il faut que je sois avec quelqu'un. Au moment où je prends de la tête, je sais ce qui va me tomber dessus. Ah, je me rappelle de ce passage. Ok. Aïe. Ok, première armure, c'est bien. Ah, j'ai plus de balles, super. Parfait. Oh, j'ai eu les deux d'un coup. Magnifique. Ah, il a bien joué ça. Nul là. Ok, et d'une. Ok. Maintenant, c'est grenade et on calme tout le monde. Bon bah, merci Ashley. Oh, t'es sérieux, il y en a encore. Ok, wow. Ah ouais, vous m'envoyez toute la semaine là. Casse-toi, espèce de ta drôle de merde. Oh, lui va être costaud. Ok. Ouais, la vue du jeu, il se met en position et je peux pas toucher sa tête de parasite. Lol. Ouais. C'est de la camelote, ces chevaliers. Léo. Oui, j'arrive, j'arrive. Il y a mon siège qui s'est barré. C'est le maudit siège que je dois changer à terme. Léo. Ouais, deux secondes, laisse-moi juste. Ok, j'arrive. C'est bon. Deux spinels de plus. Pas mal. T'es sûr que t'as rien acheté, pas brut. Une grenade aveuglante en plus. Non, merci du coup de main. Ça m'a bien aidé. Oh, attends, j'ai loupé des balles de pistolet, sans déconner. Oh, 15 en plus. Là, ça a bien m'aider, ça. C'est le cube qu'on a cherché. Ah, attends-toi. Oui, où? Alors, le rat. Ok, ça en fait deux sur les trois. Je vais juste attendre que Ashley sorte, comme ça on va y retourner après.
Et de 2, c'est le deuxième. Il y a encore un objet là, mais je vois pas où il est. Ah non, il est dans un autre niveau. Ok, je comprends mieux. Il manque encore un morceau. On va le trouver. Et attends. Je vais tenter d'aller chercher le trésor là, au début. Tu vas vite le savoir. Il est sympa le chariot, j'aimais bien. On est arrivé. Et puis comme ça. Hop, on récupère le petit trésor là. Oh, une couronne. Oh, ça peut avoir le max de pognon, ça. Alors, on a quoi? Ok. Je crois qu'on peut avoir un truc à 100 000 avec ça. Et une. Donc là, on a 64 000. Donc là, il suffirait de rajouter... un béret rouge et là on est bon. Et là on va pouvoir débloquer derrière. Cette porte. Et là logiquement il n'y a rien. On va juste enregistrer déjà au cas où. On peut aussi aller chercher le deuxième magnum, mais est-ce qu'on aura la place? Je suis pas sûr. Je suis même pas sûr qu'on ait la place. Hein. Peut-être que je vais revendre le lance-carreau. C'est trop situationnel. Waouh! Ah oui, vous êtes nombreux les mecs. Ok, monsieur veut jouer à ça, bon on va jouer à ça. Suivant. Saleté de prête, hein. Il encaisse cet enfoiré. Je le sais.
Vite. Ça veut pas. En plus, je récupère le béret rouge qui me manque en plus pour la couronne. Ah non, il me faut une autre couleur. Il me faut une autre couleur. Bon, déjà. Bleu. Et jaune. Comme ça, là, je mets vert. Et logiquement... Parfait, je sais ce que je vais faire tout de suite après que j'ai terminé. Ouais, nickel. Les carreaux. Et là, on va tout de suite. Ah, bah, il y a encore des mines. J'ai quelque chose qui est bienvenu. J'ai quelque chose de nouveau. Succès déverrouillé, affaire bien conclue. Vendre un trésor pour au moins 100 000 pièces, c'est pas parfait. Bon, par contre, là, le lance-carreau, je vais le revendre. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Étranger, oh, je suis prêt à payer une coquette somme pour ça. Une arme, c'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements, voilà. C'est tout ce que je peux faire pour cette arme. Par contre, non. Rien, laisse tomber. Ah, mon dos me fait souffrir. C'est le poids. Aurais-tu l'intention d'enfiler une aiguille avec une balle, la vie? J'ai encore quelques petites nouveautés. Eh bien, je vais certainement... Comme ça, regarde. Déjà, les trois cartouches, là. Reviens quand tu veux, surtout. Là, on est pas mal. Il me reste quoi à fabriquer là? Et bah, au moins, ça, on aura un succès de plus. C'est toujours ça de prix. Donc, la couronne, il faut 5 couleurs différentes si vous voulez réussir. Et là, il va falloir faire du Tetris. Pour moi, c'est comme ça. Statue de Justitia. Il y avait un tiroir verrouillé à un moment. Une barre d'or. Là, c'est bien. Bon. Par contre, là, il faudrait que je vais aller au trou dans le mur. Hein. Ça dure un peu plus longtemps que prévu, mais je suis quasi sûr que c'est un magnum qu'il y a. Pourvu qu'ils m'en mettent pas d'autres. Oh non, ils m'en ont remis, mais vous êtes des salopards. On court, on s'en fout. Ils sont horribles.
Après, je pourrais peut-être revendre l'ancien le magnum que j'avais. T'es sérieux, il me suit d'une zone? Non, ça va. Tout va bien? Ouais, t'inquiète. J'ai quelques nouveautés en stock. Viens y jeter un œil. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Merci. Après. Attends, je sais ce que je vais faire. Merci. Tu sais quoi? Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient. Eh bien, nous parfait, avons au-delà fait des limites. Ce que nous pouvions pour cette arme. Traite-la avec tout le respect qu'elle mérite. D'accord? Là, on va avoir un raid 9 qui dépote. Mais donc ça veut dire que x1 c'est 2,7. Eh, il envoie du lourd. Hein. Il envoie du lourd quand même. 2,70 x 1. Bonne route. Oh d'accord. Oh je t'avais pas vu toi. Allez, monte ta gueule. Ouais, merci. $1,500. Bien joué. Alors, chronique de la famille Salazar, la lignée des Salazar, tout ça chafin pour guérir Ramon de sa maladie, sa mère Catalina a fait entrer le diable dans leur maison. Voici un bref historique des noms de cette famille, de cette prestigieuse lignée. Première génération, le comte Grégorio le Conquérant, il menaça pour aider Kelmax qui s'est abattu sur le château, reconnu pour sa bravoure et reçu le titre de comte et se vit confier la mission de garder les démons à l'écart pour les générations à venir. Le comte Hippolyto de Seller, au prix d'innombrables efforts, il parvint à tirer le fléau des démons échappés des profondeurs de la terre. Il se combat des blessures qu'il reçut au combat. Troisième génération, comte Grégorio dit l'architecte, poussé par une paranoïa irrationnelle, il dilapida une bonne partie de sa fortune dans les défenses du château et dans des mécanismes aussi nombreux que farfelus. Quatrième génération, comte José Alonso le paisible, il s'efforça de restaurer la fortune et l'honneur de sa famille. Cinquième génération, le comte Alejandro l'extravagant, de nature enjouée, il fit construire une cour et un bal et il mourut prématurément. Sixième génération, comte Marie-Isabelle la dame, veuve d'Alejandro, la comtesse Isabelle régna de longues années avant de mourir à l'âge de 90 ans. Septième génération, comte Diego le Sévère, à la star de son prédécesseur, Diego était très strict et fut assassiné par un diable. Huitième génération, comte Ramon, sa famille aurait dû l'emporter. D'accord. Eh ben, je me suis fait avoir pour le magnum, bon tant pis. Mais bon, au moins j'ai le raid 9 à fond. Et ça, c'est le plus important. Ah ouais, vraiment. Bon, on n'a plus besoin de retourner par là, ça c'est une certitude.
là, le problème, c'est que j'ai pas la clé. Hein. Bon, c'est pas grave, on reviendra plus tard. J'aurais cru que c'était une Magnum ici. Oui, bah 2 secondes. La pause est finie, je suppose. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que... Merci. Comme neuf. Je te souhaite bonne chance. Bon, il en reste encore pas mal de trucs là. Tu sais, j'ai pas toujours ça en stock, étranger. Tu m'étonnes. Reviens quand tu veux, surtout. Ok. Oh, on peut repasser par la cour, hein. Quoique, attends. Voilà, on revient par où on est venu. Enfin, plutôt vite. Et attends, il y avait aussi là une boîte à serrure carrée. C'est un œil. Quelque chose va forcément te plaire. Alors attends. Il y a 2 triangles vers le bas. Une lampe papillon, c'est ça ? Une lampe papillon. Bon, au moins la plupart des trésors on les débloque. Un autre jeton d'argent tu prends qui en fait ça en fait 3. Ok. C'est la galerie. Oh non. Oh non, 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 mais t'es sérieux. Bonjour. Et d'un.
Attends. T'es sérieux ? Bon, on a eu tous les médaillons, ça c'est cool. Et il y en a encore, en veux-tu en voilà. On l'a eu, c'est bon. Ouais, punaise. La fête ici. Recule, recule, Ashley. Encore des boucliers. Dégage. Pas autre chose que de la grande ferraille, j'ai que ça moi. Ah, petite ferraille. Parfait, on surfe un petit stock de balles de pistolet. Une grenade aveuglante. Trésor. J'espère qu'on a bientôt fini le chapitre 2. Le chapitre parce que... Poudre noire. Ça m'a fait peur. Trésor. Bon, c'est pas grave. Déjà, on va aller récupérer ce qu'on a récupéré. Une grenade supplémentaire, tu craches pas dessus. Bon. Déjà, hop, ok. Voilà. Non, là il n'y a rien. Ah, il est en dessous. Je crois qu'il est en dessous du... l'étage. Je vois que ça. Il était là, je m'en doutais.
Un diamant jaune, ça se prend. On va tout de suite le sortir dans la lampe. Ça, c'est good. On n'a rien oublié. On va chercher cette tête de bélier. Ah, munition de fusil, tu dis pas non. Cartouche de bon, tu dis pas non non plus. D'autres cartouches de pompe. Aïe. Oh non. Ça fera du fréquent. Ouais. En plus, on a fait une requête pour le marchand. Changer grand chose, tu me diras. Il y a certaines choses que l'argent n'achète pas. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, y a-t-il quelque chose de plus beau? Est-ce que tu fais bonne route? Ok, j'enregistre. C'est jamais. Oh non. Léo, derrière toi. Recule. Oh putain. Je crois que c'était terminé, mais non. Attends. Allez. Oh, joli. Ok, maintenant faut que je libère Léon, d'accord. On joue Ashley. Oh, il y a une lampe, on va la prendre. Dis-moi que c'est la dernière partie du chapitre. Non, on peut pas retourner en arrière, donc ça c'est une certitude. Va falloir avancer. Ok.
Pourquoi je le sens pas du tout? Ne fais pas peur comme ça. Une horloge? Alors, les ancêtres qui reposent répondent à une heure choisie. Si tu cherches la protection, ne fais pas de courage, ne crains pas des ténèbres. Ok. Là, je pourrais rien avoir. Les aiguilles bougent. Ok, les aiguilles bougent, mais je connais pas. Donc, on se souvient qu'ils aimaient pas. Il y a des choses qui n'aimaient pas la lumière ici. Ok, il nous faut une clé. C'est fermé. J'aime pas ce que j'entends. Ok, à mon avis, il faudra revenir ici avec Léon plus tard. Trousseau de clés, ça, on sait. Il faut le cube ici. Non. C'était la deuxième ici. Ok. C'est une bouteille de parfum chic. Ça sera toujours utile. Ok, ils aiment pas. Elle bouge plus. Je suis dans la troisième. Go, 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 go. Bon, c'est pas mal. Léon ! Ashley ! Est-ce que ça va ? Attends ! Je vais trouver une solution. Alors, c'est quoi ça ? L'emblème. La clé pour cette sortie n'est d'autre que le mot. Et cet emblème n'est autre que l'emblème des salavards.
Pour le trouver, je vais devoir m'aventurer. Je trouve Satanes armure. Le mausolée souterrain. Ô Seigneur miséricordieux, fais régner ta justice sur le vil usurpateur, ce monstre hystérique qui est Ramon Salazar. Et que ta lumière, Dieu béni, protège ton fidèle serviteur. Ok. Je dois trouver un moyen d'ouvrir ça. Il y a une autre horloge là. C'est cassé. Il y a des trésors là. Note écrite. 11h04. Peut-être que... Non. Donc la quatrième. Ok. Un saphir, ça sera toujours utile. Bah ça pourra compléter la lampe papillon. Donc là c'est pour le cube, ok. Donc là, ce serait... Là, on a la moitié des trésors du château, donc. Actuellement, nous en manquerait qu'un seul. Je pense que la phase avec Ashley, ça devrait être la même du chapitre. Donc il aura duré quasiment 2 heures ce chapitre là, mais bon. Yes. Au moins, il y aura eu de l'action. J'ai vu une autre horloge comme celle-là tout à l'heure. Tout va bien. Voilà. Doucement. Vite. Putain de merde. Il aime pas la lumière. Alors c'est pas par là logiquement. C'est pas par là. Alors attends, est-ce que je me serais pas en train de me planter? Ouais, je me suis planté. Donc faut que je redescende. Ouais, t'es bien comme ça, bouge pas. Ah, il y en a une autre. Il y en a toi. Ok, c'est bon signe, c'est du dialogue. Allez où l'horloge, vite, 11h04 aussi.
tu restes où t'étais bien. Alors. Ok. Tu m'étonnes. Ah. Qu'est-ce que je viens juste de dire? Oh putain. Mais où les dernières? Non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là non plus. Merde. C'est le long de la Sony. Putain, il était là. Putain. Go 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 go. Cette flamme me sort de... Ok. Bon bah c'est cool hein. Oh non. Hein? Donc celle-là c'est une lune, c'est bon. Ok, faut que j'inverse les deux. Donc celle-là. Voilà, et logiquement je mets celle-là. Donc là il y a une lune. C'est l'emblème des Salazar, ça. Non, 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 la lumière. Ouais. J'en peux plus. Cours, 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 cours. Je te pose pas de questions, alors je regarde juste la carte. Tant pis. Je reviendrai plus tard avec Léon. Récupérer. Oh parfait. Vite, barre-toi avant qu'il y en ait une autre qui se pointe. Je vais l'attirer.
Oh. T'es sérieux là? Bon, bref. Bon, on va courir alors. Tout droit. Soyez sympa, ne bougez pas. Vite. Et ben voilà. Ne me dis pas qu'il y en a encore une là. Bon. Faut que je la sorte de l'escalier. Attends. Je reviendrai avec Lyon, tu pourras revenir ici, je pense. Alors maintenant, il faut que j'aille. Alors, si je dis pas de conneries. Vite, vite, vite. Alors maintenant, tu traces. Comment ça, je peux pas aller là, t'es sérieux? Non, oh, c'est une blague. Donc en gros, faut que je repasse par la bibliothèque. Oh là là. Quelle galère. Alors, que je me dise pas de conneries. Alors, je suis là. Donc, tac, tac, tac. Ouf, j'ai eu pour mes fesses, ok. Donc, c'est par là. On est d'accord. Oui, non, 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 non. Là, logiquement, c'est bon. Ouais, si elle dit ça, c'est que c'est bon signe. Lui, il est dégusté. Hey, attrape. Joli. Tu crois que tu peux descendre? Je te rattrape. Ouais, c'est jouable. Oh non, pas lui. Il s'en fiche. Merde.
Bon, on a récupéré aussi le jeton là, c'est cool. Bon, on est mort une fois, dommage, mais bon, on a fait avec. J'espère que ça vous a plu. YouTube, je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures sur Resident Evil 4. Prenez soin de vous, donc le chapitre va durer un peu plus de 2 heures quasiment. Désolé, mais je voulais récupérer le plus de choses. Voilà, prenez soin de vous, ciao ciao.